Veux-tu prendre Terry Blackmore pour ton aimable mari? Je me tiens debout devant cet hôtel, face à cet homme incroyable qui veut passer le reste de sa vie avec moi. Mais moi, je me pose cette question encore et encore et encore. Pourquoi devrais-je me marier? Mon nom est Cindy Johnson. Je suis une conseillère matrimoniale de 28 ans. Oui, j'ai choisi de faire carrière dans cette profession grâce à l'inspiration que m'ont suscité mes parents. Ils sont mariés depuis 30 ans. Alors j'ai décidé d'apporter mon aide aux couples qui vivent des crises pour qu'ils restent mariés. Qu'ils soient riches, pauvres, lettrés ou illettrés, peu importe. Vous battez votre mari? Oui, madame. Il aime bien me battre. Il aime bien me battre. Et je me suis battue avec lui. N'est-ce pas toi qui m'as dit que je... On garde son calme, ok? J'ai un exercice pour vous deux. Monsieur Williams, puis-je vous poser une question? Allez-y. Est-ce que vous aimez votre femme? Oh, ça? Je l'aime vraiment. Parfait. Et Madame Williams, est-ce que vous aimez votre mari? Oui, de tout mon cœur. Très bien. Est-ce que vous deux, vous êtes prêts à travailler sur votre mariage? Oui. Ok, alors je vais commencer par vous, Monsieur Williams. Il y a une chose que vous devez comprendre et que les gens font des erreurs. Nul n'est parfait. Mais vous devez apprendre à pardonner et à oublier. Pardonnez votre femme de vous avoir trompé et oubliez ça. Et travaillez sur votre mariage. Faites-lui confiance, ok? Je ferai de mon mieux. Et quant à vous, Madame Williams, vous devez aider votre mari. Ne lui donnez pas de raison de ne pas vous faire confiance. Revenir tard la nuit de soirée, faut arrêter ça. Parce que ça ne vous aide pas. Entendu? Très bien, je ferai ça. Bien, alors, c'est assez pour la session d'aujourd'hui. Je vous vois la semaine prochaine. Je préparais une fête surprise pour les 30 ans d'anniversaire de mariage de mes parents. T'as fait ce que je t'ai demandé concernant les 30 ans d'anniversaire de mes parents? Oui, je l'avais déjà contacté et j'attends sa réponse cet après-midi. Très bien, et la liste des invités? C'est déjà préparé. J'attends juste la confirmation pour me mettre à travailler sur les invitations. Ok, mais insiste pour qu'on les ait dans les plus brefs délais. Je peux le faire, madame. Oh, ces yeux me font souhaiter être à nouveau un petit enfant à l'école. Es-tu vraiment sûr de ça, Johnson? Bien sûr, Kaiser. Il aide à réduire de petits stress et de tension après une dure journée de travail. Quand le docteur me les a recommandés, je croyais qu'il s'amusait. Mais à présent, je pense que j'ai besoin de prestations aussi. Est-ce que tu es sérieux, papa? Oui, ma princesse. J'ai entendu dire que ces jeux avaient beaucoup de bénéfices. Oui, de nombreux avantages pour la santé. Oh, ma chérie, tu es bien battue. Oh, mon Dieu. Tu me tues. Arrête ça. Hein? Que fais-tu avec ma meuf? Hein? Hein, toi? Qu'est-ce qui te prend? Tu es fou? Désolé. Tu es fou? Tu es fou? Je vais te briser la tête. Et toi, dans la voiture? Dans la voiture! Et toi, regarde. Tu penses que tu peux la gérer? Réponds-moi! Stop! Mon pote. Je l'ai débrisé la tête, tu sais. Et lui, c'est mon homme. L'amour de ma vie. L'un des acteurs les plus talentueux et primé du Ghana, Ernest Nyonyo. Chérie, t'as fait de moi un homme très heureux. Et je t'apprécie beaucoup pour ça. Je voulais juste te faire savoir que je t'aime beaucoup. Et... Chut, n'en dis pas plus, Ernest. Je t'aime. Du fond de mon cœur, tu es tout ce que je désire. Et ma définition de l'amour. Et je veux que tu saches que rien ne peut se mettre entre nous. Je le promets. Adafa, pourquoi? Pourquoi fais-tu ton visage comme ça? Eh pote, dis-nous, quand est-ce que tu seras un vrai homme et lui dire cette fois-ci? Hein? Croyez-moi, je le ferai bientôt. J'attends d'abord que je vois, je vais te marier après.
Attends, je comprends pas. Pourquoi dois-tu voyager à Dubaï avant de proposer à la fille que tu aimes? Dis-moi, qu'y a-t-il de mauvais si tu lui dis de te marier maintenant? Peut-être il te faut un pasteur pour prier pour toi et oindre ta langue. Non, vous ne comprenez pas. Je l'aime, elle m'aime. Elle me traite avec beaucoup de respect. Énormément de respect. Mm-hmm. Aucune autre femme ne traite ainsi. Mais seulement des fois, elle est très difficile à parler. Je vois. Elle te donne du respect, mais difficile à lui parler. J'ai un plan parfait pour toi. J'espère que ce n'est pas quelque chose de stupide. Parce que souvent, tu aimes dire des choses insensées. Tu sais, souvent, tu comprends des travers. Oui, j'aime vraiment la grammaire. Évidemment, il y a des sens dans les non-sens que je dis. Et là, ce sont mes deux meilleurs amis, Tracy et Olivia. Tracy est la plus calme de nous toutes, mais pas très chanceuse avec les hommes. Mais Olivia, c'était elle la bad girl. La plus chaude, la plus sexy et séduisante. Mais depuis que son petit ami Dave lui a brisé le cœur au lycée, elle a renoncé à l'amour. Écoute-moi chérie, je suis très désolée, d'accord? Je suis désolée pour ce que j'ai fait, s'il te plaît, pardonne-moi. Michael, tu m'avais menti. Tu m'avais dit que tu étais seule. Et pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as traité de la sorte en public. Pourquoi ça, Mike? Dis-moi un peu. Mais va-t'en, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je sais que j'ai menti. C'est fini entre elle et moi. Tu as entendu ce que je lui ai dit la dernière fois, s'il te plaît. Tu ne sais à quel point je t'ai admiré et espéré voir ce jour. Je suis désolé, s'il te plaît. Je suis désolé. Donne-moi une seconde chance et je vais me prouver à toi. Es-tu sûr? Très sûr. Très, très sûr. Si tu iras à genoux, puis-je me lever? Merci beaucoup. Ne refais plus jamais ça. Je te promets. Plus jamais. Je ne le ferai plus jamais. Ok? Ok. Je suis désolé. Honteuse femme, tu penses que tu es jeune et belle comme ça? Tu es finie. Tu vas dehors coucher avec des petits garçons comme des poissons qui sont hors de l'eau. Ne sois pas une trop honteuse sûre femme. De toi. Ne sois pas trop sûre de toi-même. J'ai tout l'enregistrement ici avec moi. Je connais toutes les aventures. Et quand tu sors avec les filles qui ont l'âge de ta fille. Mais, que se passe-t-il ici? Demande ta mère. Comment suis-je? De vouloir procéder au divorce. Tu n'es pas venu ici pour te raconter plus. N'est-ce pas? Messieurs, vous êtes ici pour une affaire sérieuse. Et vous devez aller de l'avant et faire ce que vous êtes censé faire. Ou ce que nous espérons de vous. J'ai d'autres choses à faire. D'accord. Avez-vous tous les deux décidé comment partager vos biens? Oui. Cette maison va rester pour moi et ma fille. Et pour le business, on aura 50-50. Tu dois être une imbécile de penser que je vais te laisser ma maison et ma fille afin que tu lui enseignes tes comportements malsains. J'ai construit cette maison, donc je la garde. Nous avons construit cette maison. J'ai conjugué tous mes efforts, y compris ma soulière. J'ai même porté du ciment sur ma tête quand j'avais 5 mois de grossesse de Cindy. Alors cette maison nous revient de droit. T'ai-je demandé de transporter du ciment? Je vais te combattre jusqu'à mon dernier souffle. Tu m'as entendu? Alors le mieux pour toi serait de commencer à creuser ta tombe. Calmez-vous. Je vais te tuer si tu oses me ravir ma maison et mon unique fille. Calmez-vous, messieurs, madame Johnson, s'il vous plaît, calmez-vous. D'accord? Calmez-vous. Je ne m'appelle pas madame Johnson, je suis Kezia. Très bien, Kezia. Avec l'allure qu'ils prennent les choses, je pense que vous serez en suppression, vous deux, pour au moins une année. Jusqu'à ce que la cour prononce son jugement. Et puisque votre fille a déjà plus de 18 ans, elle est assez grande pour choisir avec qui d'entre vous elle voudra vivre. C'est bien. Je vais te combattre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Avant que tu meurs. Bien, il paraît comme si vous deux devez vivre dans cette maison
avant que la cour lui prononce le verdict. Il n'y a rien de plus à ajouter. Je dois partir. Bonne journée. Bonjour, madame. Est-ce que c'est le type qui essaye de vous tirer? C'est l'avocat qui est en train de gérer notre cas de divorce. Est-ce que vous êtes sérieux, là? Au début, nous plaisantions. L'annonce du divorce de mes parents m'a dévastée. Ça m'a blessée, mais si fort. Je les avais pour modèles, je les admirais. Je voulais finir comme eux, me marier, fonder une famille et vivre d'heureux jours. Mademoiselle Johnson, on vous demande la nullité des animaux que vous voudriez pour ce jour-là. Veuillez préciser sur cette liste de tous les services que vous voudriez et les décorateurs de savoir tout ce que vous voudriez pour ce jour-là. Annule tout. Excusez-moi. J'ai dit de tout annuler. Madame, vous dites quoi? Je te dis d'annuler cet anniversaire. Annule tout. Mais quoi? Est-ce que tu m'écoutes au moins? Désolée, madame, mais les impressions sont parties, elles sont là de jour. Mais alors, appelle chaque personne et dis-leur que c'est annulé. Annule-moi cette merde. Allez, sors. Ok, madame. Oh, et annule tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. Je ne veux voir personne. Pars. Mais le pire, non, tout ça, et qui ne se préoccupe même pas de ce que moi, je peux ressentir dans cette situation. Ils n'ont rien à faire. Tu sais, je n'arrive pas à croire que ce que tu me dis là est vrai. Je n'ai pas un couple comme celui-là pouvait divorcer. Leur divorce fait partie de mes craintes maintenant, là. Comment te sens-tu? Est-ce que ça t'affecte aussi? Je veux dire, regardant tes parents, on ne peut pas imaginer quelque chose de la sorte. Eh bien, ce n'est plus le cas. Clairement. Alors, qu'en est-il de cette fameuse fête d'anniversaire que tu es en train de faire? Oui. J'ai annulé tous les préparatifs ce matin. Et tu sais, là, présentement, j'ai tellement honte de porter le titre de conseillère en mariage et en famille. C'est tellement embarrassant. Arrête ça, Cindy. Oui. Tu ne dois pas laisser cette histoire te mettre par terre comme ça. Pourquoi tu veux que cette affaire puisse te mettre par terre, te rendre un peu malade, je veux dire. Et Olivia, tu sais, je doute des chances que j'ai avec Ernest en ce moment. Je sais plus. Oh, allez, Cindy. Tu sais que Ernest t'aime. Au moins, il a mis au clair. N'est-ce pas que tu l'avais pardonné tout ça? Et c'est dingue, parce que si mes parents en arrivent à divorcer, c'est que je vais clairement échouer aussi. Je vais aussi échouer, c'est peut-être un truc qui se tombe de génération en génération. Cindy, arrête de dire ça. Sûr de vouloir vraiment travailler sur votre relation avec Ojo? Madame, comment je peux demander ça? Si je ne l'aimais pas, est-ce que je serais ici? J'aime ces mecs, madame, je l'aime vraiment. Madame, je l'aime. Ok, bien, voilà ce que je veux que vous fassiez. Ce soir chez vous à votre couteau, faites-lui son plat préféré. Dressez la table avec des bougies et portez quelque chose de très sexy. Que fais-tu avec la bougie allumée dans ta main alors qu'il y a la lumière? Oh, madame, la table est prête. Et fais ton repas favori. Foufou et les légumes. Tu sais que ce n'est pas empoisonné? Oui, moi. Hey, je l'ai dit. Tu veux me finir? Qu'est-ce que je t'ai fait? Relax, c'est la bougie qui t'accompagne. Il faut que vous soyez actifs. Vous savez, vous devez essayer de tenter, conseiller de nouvelles choses différentes avec vous. Oui, vous pouvez même écouter un peu de gens. Oui, vous pouvez un peu de gens. Madame, brojo. Donc, ça fait que les brojo. Tu sais ce qui va passer? Je veux juste te rendre heureuse. Alors, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Brojo, tu me donnes un coup, tu retors qu'un coup. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Elle voulait dire fleurasse. Oui, non, Brojo. Non, ça ne veut pas dire donner des coups de poing à quelqu'un. Ça veut dire... ça veut dire que tu suces ici. Et crois-moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Donc, si tu peux me le faire, crois-moi, je peux même tuer ma mère pour toi. Tu peux.
Comme ça sent bon. J'espère qu'on va bien se régaler. Est-ce que je peux goûter un peu? Juste un tout petit peu. Si, d'amour. Bien sûr. J'espère que c'est pas. Viens par ici. Ok. À chaque fois que je me réveille le matin, je remercie Dieu de l'avoir amené dans ma vie. Je veux que tu sois avec moi. J'aimerais que tu sois à côté de moi à chaque fois que je me réveille. J'aimerais que tu sois la première personne que je vois avec moi. Aimerais-tu m'épouser? J'aimais vraiment Ernest. Pendant 7 ans, j'ai rêvé du moment où il me demanderait ma main. Et maintenant qu'il l'a fait, je ne sais pas quoi dire. Oui? Tu es mon bébé d'amour. Je t'aime, bébé d'amour. Oh, vraiment. Tu es très belle. Hein? Tu es très belle. En fait, tu es très belle, plus que toutes celles-là qui sont dehors. Et je suis prêt à te faire tout ce que tu veux. Tu sais que tu fais battre mon cœur. Vas-y, pense à lui. Mais c'est quel enfer ici? Jeffrey, c'est qui cette prostituée? Non, tu as tort. Ce que tu vois ici, ce n'est pas une prostituée. Elle est une fille exemplaire, bien éduquée par sa mère. Ne t'inquiète pas pour allez, ça. Allez, modèle mon oeil. Arrête, mon bébé, c'est quoi ça? C'est cette chose que tu appelles ma femme? Excuse-moi bébé, arrête ça. Elle est mon avenir. Viens par ici. Il y a ceux qui jouent le jeu et il y a les maîtres du jeu. Mais tu vois, ce moment, je suis le maître du jeu que tu as commencé. Allez, viens, embrasse-moi. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore prostituée. Rien vu. Prostituée. Jerry, regarde ce sac, regarde. Ouais, ouais. Je suis déjà à la maison. Je te parle de plus tard, ok? Ouais, plus tard. As-tu perdu tes sens? Comment tu changes ça alors que je n'ai pas mon programme favori? Excuse-moi. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a bon à propos de ce jeu? S'il vous plaît, je cherche Cindy. Cindy, elle était revenue hier en pleurant. Et apparemment, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? On avait un petit barbecue chez moi hier, avec quelques amis, et je lui ai demandé de m'épouser. Tu as fait quoi? Comment pourrais-tu être si stupide? Excusez-moi? Comment pourrais-tu lui proposer un mariage quand sa mère et moi traversons un divorce amer? Es-tu stupide? Vous devez divorcer après 30 ans de mariage? T'inquiète, juste rentre. On se verra demain. Va. Juste va-t'en, va. Ernest, non, nada. Tu n'es pas sérieux? Elle t'a vraiment dit ça? Hein, mec? Écoute, chacun a le droit de s'exprimer sans aucune restriction. Ces gens se sont mariés il y a longtemps. Et si maintenant ils décident de se séparer, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oh, vraiment? Oh, philosophe, as-tu remarqué l'impact négatif de leur décision sur la vie de leur fille? Écoute, Cindy est plutôt égoïste ici. Oui, je veux dire, ses parents ont vécu leur vie. Elle peut aussi choisir comment vivre la sienne. As-tu une idée sur comment sa décision a affecté Ernest? En as-tu une idée? Non, mais est-ce que toi tu réalises que les parents de Cindy sont un exemple pour elle? As-tu remarqué? Donc il viendrait
habiter chez elle quand elle finalement marie Ernest? C'est ce qui va se passer? Non, c'est parce que tu dis alors. Écoute, okay, si alors... elle aime vraiment Ernest, le problème, c'est qu'elle ne devrait pas l'empêcher. C'est ce que je dis. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez tout ça, ok? Sinu viendra ici au moment où elle n'a même pas accepté ma demande. Alors arrêtez-moi tout ça, s'il vous plaît. En tout cas, c'est pour votre intérêt. Tout ce que nous essayons de faire, c'est de vous aider. Tout ce que nous essayons de faire, c'est de... tu sais... un peu de sens pour sa putain de tête, mais... ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Regarde, juste fais-moi confiance, ok? Tout ira très bien, ma chérie. Ah, tu sais, je suis nerveuse, bébé. Regarde, chérie, tu n'as pas à être nerveuse, d'accord? Fais juste ce que je t'ai demandé, et tout ira bien. T'en es vraiment sûr? 100% sûr. Hey, je t'aime. Je sais, je t'aime aussi. Eh bien, j'ai fini par dire oui. Nous sommes allés à Dubaï pour nous marier, rien que nous deux. Babe, regarde, ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Tu S'il te plaît, je te rappelle après. Mais tu crois à ce qu'ils nous ont fait? Ils se sont mariés à Dubaï. Quoi? J'ai pensé qu'elle était notre meilleure amie. Regarde. Ça ne m'étonne pas si elle n'a pas pu nous appeler. Waouh. Ce n'était pas une obligation qu'elle nous tienne toujours au courant de tout. Comme on ne devait pas savoir, n'est-ce pas qu'on est supposé être ses meilleurs amis? Wow. Regarde, c'est son mari. Je ne comprends pas pour elle. Je ne comprends jamais pour ça. Elle a finalement fait ça. Waouh. À Dubaï, elle nous a négligés comme ça. Hey. Je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. Un an plus tard, les choses ont changé. L'homme que j'avais épousé un an plus tôt n'existait plus. D'où est-ce que tu viens? Tu as appelé mon producteur, pourquoi devrais-tu le faire? J'étais vraiment très inquiète à ce sujet. Cindy, je suis une grande personne et je peux faire tout ce que je veux, ok? Pourquoi devrais-tu appeler les gens avec qui je travaille? Pourquoi? Je suis désolée. Tu dois être désolée pour toi-même. Que ce soit ta dernière fois de tenter une chose stupide pareille. Hey, comment tu vas? Ça va. Tu es libre? Oui. Es-tu sûre? Oui. Mais je veux changer ta destinée. Oh, vraiment? Tu vas t'arranger. Je vais la déposer dans ma maison. Je te dis, vrai, c'est ce que je vais faire. Viens, je t'emmène là-bas. Oui, Dodo. Hein? Viens, l'alliance. Tu verras plus tard. Hey. Qui? Ah, pardon. Non, vous êtes. Hey, va à l'école. Oui. Hey, va à l'école. Je t'emmène où? Tu la connais? Oui. Tu les connais? Allô? C'est quoi ceci? Ça? Oui. C'est un bijou. C'est l'anneau. Je l'ai épousé. Elle est ma femme. Si tu aimes ta femme, si tu aimes bébé, montre. Tu vois ça? Est-ce que tu vois? Hé, hey, retourne. Elle est ma femme. Non. Hé, hé, hé. Va l'écouter. Je demande ton aide. Je suis fini. Salut! Bonjour! Alors, comment ta journée? Bien. T'as fait quoi de beau? Rien. Tu me demandes pas comment ma journée a été? Je veux d'abord quelque chose à manger. T'inquiète, j'ai de la bouffe chinoise. Chinoise? Pourquoi pas australienne ou brésilienne? Qu'est-ce que t'aimes pas?
chaque fois la nourriture, je passe. C'est quoi ton problème? Je suis noir et fier de l'être. Pourquoi ne pas aller à la cuisine et me préparer quelque chose? Attends, tu sais combien mon emploi du temps est surchargé ces temps-ci? Et tu sais que quand j'ai le temps, je cuisine toujours pour toi. Oh, vraiment? Donc préparer pour moi est devenu un programme pour toi, c'est ça? Tu sais quoi? Mange ce repas toi-même. Ou soit ton lait au chien. Excuse-moi. Allô? Non, pas encore. J'attends que je fasse ma peine. Attends. Qu'est-ce que vous m'avez manqué, toi et papa? Tu m'as beaucoup manqué, mon bébé. Comment tu vas? Très bien. Ah voilà, je n'ai pas pu demander mieux. Ernest est un vrai gentleman, il est formidable. J'espère bien. Alors, comment se porte papa? Ton père, je souhaite qu'il meure. Je veux qu'il s'endorme pour ne plus se réveiller, pour que j'aille ma paix. Maman, vous en êtes à ce point? Écoute, s'il ne t'intéresse plus en tant que mari, moi, il m'intéresse parce que c'est mon père. Ah, c'est ce que je ressens pour lui. Ma plus grande joie, c'est toi. Maman! Je suis en train de blaguer. On passe à ça. Ah, c'est blague. Mais, tu dois retenir ceci. Les hommes ne sont pas dignes de confiance. Alors, fais attention. Ça, c'est vrai. Mais le mien est. Cindy, je suis ta mère. Alors, crois-moi. Les hommes ne sont pas dignes de confiance. S'ils ne se comportent pas mal maintenant, mais sache qu'il finira par là, Cindy. Et la fille sera misérable pour toi. Alors fais attention. Salut, fille. Oh. Salut. Oh. Salut. 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 Ça va, je vais bien. Merci. Comment tu vas? Désolé, fille. Une pomme spéciale. C'est bien. J'irai vous en prie maintenant. Salut, chérie. Comment tu vas? Ça va. Ah. Olivia. Écoute bien que nous sommes connus il n'y a pas longtemps. Je ne peux pas m'imaginer être avec une autre femme. Je veux que tu sois la mère de tous mes enfants. Je veux que tu me maries. Vas-tu me marier? C'est une blague? Non, c'est pas une plaisanterie, c'est rien. Bébé, dis seulement oui. Non, Michael, c'est non. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais ceci? Penses-tu que je peux pour les mariages? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté avant de me faire cette surprise? Mais est-ce que tu fais maintenant? Tu es en train de m'embrasser en présence de tes amis? Nous sommes destinés à être ensemble et tu m'as dit que tu m'aimais. Oh, Michael, je ne t'ai jamais dit que moi je t'aimais. Je ne l'ai jamais fait, Michael. Michael, écoute, je t'aime ou pas? Tu es bien. Tu es bien comme tout homme et le sexe qui est intéressant. Le problème est que il n'y a rien de plus, rien de plus. Attends un peu, donc tu ne m'as jamais aimé? Non, Michael, je ne t'ai jamais aimé. Ne peux-tu pas réfléchir? Je ne suis pas encore prête pour le mariage, Michael. Tu ne peux pas. J'ai encore mon temps. Je suis encore trop jeune. Mais je ne peux pas croire ceci. Comment je ne peux pas croire ceci? Je pensais que tu étais différente. Ça, c'est bien, Michael. Bien sûr que je le suis. Je suis la fille qui a décliné ta maudite proposition.
ne savais pas que tu es une pute. Sans cœur. Et c'est cruel. Écoute, je t'ai chéri. Je t'ai apprécié. J'ai abandonné ma petite amie avec qui j'avais fait 5 ans. Si je ne savais pas moi de ça, ça c'est la chanson de tout le jour. Je ne t'ai jamais dit de la quitter. Pense aussi. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'après 5 ans, tu ne seras pas fatigué de moi et faire la même chose que tu as faite à elle? En me quittant aussi. Écoute, Michael, c'est ça votre problème, les hommes. Vous êtes tous pareils. Je ne vais plus rien dire, pute. Va à la merde. Ferme la porte après toi. Je ne veux pas entendre quelque chose de vous deux. Ça, c'était la scène du siècle. Ernest? Ernest, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Ernest, qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Je veux dire, on a toujours été tellement heureux, tellement amoureux, tellement parfaits l'un pour l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout ce qu'on fait maintenant, c'est se disputer. Et toi, tu m'accuses de tout et de rien. Mais moi, je t'aime. Tu veux qu'entre nous, ça marche? Mais si j'ai fait quelque chose de mal, vas-y, dis-le-moi. Il y a eu beaucoup de changements, Serge. Tu regardais dans le miroir. Tu as tout fait. Tu as pris du poids. Tu es devenu moche. Et tu ne me plais plus du tout. Coucher avec toi, c'est comme coucher avec. Non, de rien. Tu es là, tu es juste. Bam, tu ne dis rien. Pas de mouvement. Rien d'intéressant. Je m'ennuie en couchant avec toi. Écoute ce que je veux que tu fasses. Fais un peu du sport. Deviens un peu clair parce que tu deviens de plus en plus sombre. S'il te plaît, va prendre des leçons de sexe. As-tu compris? Tu peux te surnommer avec un nom tel que la princesse la plus sexuelle, la déesse du sexe. C'est ce que je veux parce que tous ces jours tu es bla bla. Y'a quoi? T'es plus intéressant. Et viens pas pleurer ici. Hein. Depuis que j'ai rencontré ce gars, il m'a vraiment. Tapé sur le nez. Je veux dire, je n'ai jamais rencontré un homme qui est trop attaché comme ça. Wow. Tu sais, il me fait sentir comme si j'étais au bout du monde. Il me traite comme une princesse, une reine, je voulais dire. Et lorsqu'il me regarde, il n'a pas envie de me lâcher. C'est vite. Il est à tout moment. Tu sais, je crois que je suis amoureuse de lui. C'est réel, tu vois. Je ne mens pas. C'est vraiment très profond de voir. Je pense que cette histoire tourne comme celle de David. Imagine un peu. Jamais, au grand jamais, je t'ai entendu parler d'un type comme ça. Bon, si tu ressens tout ce que tu dis que tu ressens, je crois que t'es amoureuse de lui. Oui. Mais je veux que tu fasses quelque chose. Tu vois, Dave, c'est ton ex. Il faut juste que tu l'oublies complètement. Et pardonne-lui. Laisse les choses comme ça. Ok. Donne à la bouche. Tu rencontres finalement ton prince charmant. Alors, je te sens la bouche. Ma chérie, ça c'est bon? Oui, tu es superbe. Ça va continuer à soi. Es-tu sûre? Oui. Oh, ma chérie, je vais te tout. Mais tu as juste besoin de profiter de la vie. J'aurais bien voulu être là et voir comment elle allait te demander si tu veux pousser. Tu vas pleurer. Ma chérie, je t'en prie, ne me fais pas rire. Je suis très énervée, s'il te plaît. Très énervé. Ok, ça va aller. Ouf, ouais. Je crois que je commence vraiment à l'aimer. Et je me demande s'il ne va pas aussi changer pour refaire la même chose que Dave, tu vois. Ah, Dave, babe, es-tu sûr que quand tu l'as envoyé, lui disant de ne plus revenir, c'est ce que tu voulais lui dire? Parce que c'est ce que tu lui as dit. Tu lui as dit de partir et ne plus revenir, mais la façon dont il était venu. Et il a dit tout ça.
mais tu es revenu comme si c'était une vraie personne. Tu dois rester vigilante. Ton corps a besoin de quelqu'un d'autre qui va te rendre heureuse. Est-ce que tu comprends et tu mérites d'être heureuse? Hein? Oui, je crois que tu as raison. J'ai raison. Écoute-moi. Sois sage. Je veux que tu partes d'ici. Comme ça, je vais bien profiter de cette rencontre. Imagine cette fille. Regarde ta vie. Fous-moi la paix. C'est vraiment très beau, ça. Je sais. Tu es plus belle. Tu sais, Olivia, à mon âge, tu sais, je pense que tout est. Et je suis prêt pour rester dans. Et ce sera un très grand honneur si tu acceptes ceci. Parce que ceci veut tout dire pour moi. Et je te dis la vérité. Rien ne me fait que d'être Madame Bracton. Ouais. Alors oui, je vais vraiment t'épouser. Oui. Est-ce qu'on peut penser? Mon ami a finalement trouvé l'amour. Je suis tellement contente. Laquelle femme? Elle est mon bébé. Ma plus grosse poupée. Ah, Tigra. Tigra. Oh, tu me reconnais. Regarde, c'est moi, c'est Vera. Accroche tes petites robes là, Vera. Ah, Tigra, tu veux dire que tu allais m'épouser, non? Ne fais pas ça, papa. Tigra, tu me reconnais. Tu la connais? Où puis-je la connaître? Ah, écoutez-moi ça. Ah, oh, écoutez-moi ça. Oh. Il ne se rappelle plus de moi. La femme va monter. Tu es rappelé de moi. Ah, Dolomé. Écoutez. Bon là, il est gavé. Cindy, ah, maman, c'est cette même adolescente du collège qui est tombée amoureuse d'Ernest que je suis encore jusqu'aujourd'hui. J'ai toujours été folle de lui et quoi qu'on en dise après tout, je le suis encore aujourd'hui. Je ne peux rien y faire. Cet amour est tout ce qu'il y a du mariage. C'est qui t'a rendu terrible. Nana, maman, ce n'est pas que mon apparence qui est négligée. Je me sens négligée. Divorce avec lui. Divorce avec lui et fais ta valise, rentre à la maison. Tu nous manques beaucoup en moi. Maman, je n'arrive pas à croire que tu viens de dire ça. Oh oui, je l'ai dit. Tu es notre fille unique et je ne souhaite pas te perdre seulement comme ça. Hein? Sauve-toi. Qu'Ernest me trompe, c'était pardonnable. Mais qu'il me trompe avec ma meilleure amie, dans ma maison, sur notre lit conjugal, ça c'était l'ultime trahison.
à ce point, je ne pouvais que partir parce que la blessure de mon cœur était si profonde. J'ai puisé dans toutes mes forces. J'ai renoncé en l'amour et j'ai divorcé d'Ernest. J'ai laissé tout derrière moi et j'ai quitté Kumasi. J'ai décidé d'aménager à Accra et de laisser une belle vie. Les filles, vous savez, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que les endroits où je peux trouver le type d'homme que je recherche sont les mariages des gens riches, les funérailles des gens riches et les églises que fréquentent uniquement les gens qui sont riches. Oh. Et donc toi, tu ne cherches que des hommes riches? Ouais. Mais on peut le trouver partout. Ils sont par-ci, par-là, ici. Je connais beaucoup de lieux où on peut mieux le trouver. Dans des boîtes, des fêtes, je ne sais pas quoi dire encore. Ça c'est vrai. T'es sérieuse là? Écoute, je ne cherche pas n'importe quel riche. Mon homme doit être très beau. Pas moins d'un mètre 80 avec un corps athlétique. Il doit bien savoir faire la cuisine. Être bon. Et le plus important est qu'il doit m'aimer bien puisqu'il aime sa maman. Hey! Tous ces critères juste dans un seul homme, ma copine arrête de prêter, c'est un rose. Mais les filles, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Qu'il y a un prince charmant quelque part qui n'attend que sa moitié pour enfin vivre de longs jours heureux avec elle. Parce que ce genre de choses, c'est fou dans la vie réelle. Dis-le-lui à vous. C'est dans les séries que nous les voyons. Conveille-toi, ma chérie. Conveille-toi. En fait, tout n'est pas parfait. Je veux dire, il y a 7 milliards de personnes sur cette planète. Et les femmes croient qu'il faut tomber amoureuse que d'un seul homme. Les uns, tu possèdes un supermarché, n'est-ce pas? Est-ce que tu n'as qu'un seul fournisseur pour tes stocks? Non. Alors pourquoi tu ne gères pas ta vie de couple comme tu gères tes affaires? Utilise ta tête, pas ton cœur. Écoute, fais-moi confiance. Je crois au grand amour qui comble de bonheur chaque jour. Oh, tu veux le vrai amour. Prends ton animal de compagnie. S'il y a bien le sang que la vie m'a appris, ça ne peut mettre tout son espoir dans un seul. Parce qu'au final, un homme ne peut pas me donner tout ce temps que j'ai besoin. Tu as raison, ma chérie. Voilà pourquoi j'utilise un peu de sexe, un autre. Et un autre aussi pour tout ce qui est achat. T'as ça compris, ma copine. Oui, qui est-ce? Nana? Anna. Oui, Nana. Ah, ma copine, est-ce que tu es? Madame, alors, comment est-ce que ça va? Madame, qu'est-ce que tu fais à Accra? Et toi, il est où? Madame, quand Dieu m'est triché, il m'a rappelé. Je suis par terre. Je cherche un boulot. Tu recherches un boulot? Oui, madame. Ça tombe bien parce que je cherchais quelqu'un pour m'aider ici. Tu peux m'aider? Madame, merci. Arrête merci. De m'appeler madame. Appelle-moi Cindy. Ça va mieux maintenant. Qui te bénisse? Mais il faut que tu me promettes une chose. Oh, madame. N'importe quoi. Dans les biens, je voudrais que tu changes ce. Tu es maintenant à Accra. Madame. Cette coiffure, c'est déjà dépassé. Je veux le changer. Tu vas changer? Je veux le dans changer. Les yeux? Je sais. Hey. Madame. Oh, madame, c'est amusant. Oh, une solitude. Hey, merci. Madame. Cindy, c'est vraiment une bonne personne. Ce que cette fille a fait pour moi, même les membres de ma famille ne feront pas. Je ne crois pas qu'elle m'a permis de rester ici, dans toutes ces conditions. Elle est vraiment une très bonne personne. Oh, vraiment une bonne personne. Et toi aussi, tu es une très bonne personne. Oh. Je suis contente de vous avoir auprès de moi. Merci. Mais Nanama, cette nourriture est vraiment bonne. Où est-ce que tu l'as trouvée? Qu'est-ce que ça goûte avec la touche? Ça goûte encore plus quand tu manges avec humain. Tu vois ce repas, je vais commencer à le manger tout le matin. Une chose, c'est une chose qui a pris la position. J'aime bien ça. Bonjour les filles. Miss Monde. Ça va? Ouais, ça va. Ce serait bien si tu te joignais à moi au lieu de rester ici toute la journée à manger du watching. Mais à part ça, devinez avec qui j'ai commencé ce matin. Mais non, voyons. Ce n'est pas un. Ce n'est pas cet homme qui est parti. Non, pas lui. Alors, c'est Desmond Richards.
Mensonge. Ok, oui, ouais. Je ne te crois pas. Tu veux dire que tu as rencontré un joueur dans la maison d'Alessie? Ma chérie, je n'ai pas fait que le comprendre. Parce qu'il m'a même demandé un cas et j'ai fait comme si je ne connaissais pas. Je suis désolée de te blesser, ma chérie. Ce gars ne fera rien avec toi. Je t'en blesse. Que veux-tu dire par là? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu es sûr que tu veux savoir? Oui, je veux savoir. Ok. Écoute, ce gars avait proposé à mon fils et nous avait tout embarrassé, je te jure. Et aussi, je lui ai appris qu'il avait un fétiche. Vraiment? Il est vraiment très dangereux. C'est vrai ça? Meuf, t'as failli me ficher une peur bleue. Je croyais que tu allais me dire qu'il avait un VIH, mais juste une petite habille. Mais si, je t'en prie, parle pas comme ça. Tu vas me tuer. Ces genres de filles sont vraiment dangereuses. Écoute-moi, pardon, pardon. Alors si tu t'enverrais une chose de l'amour? L'amour est une illusion, tu sais. Tout ce qu'il me faut, c'est être satisfaite de lui et avoir du fric. Tu es... C'est ça, c'est mon bébé. C'est ma copine. Cindy, Cindy. Je te fais confiance. Vraiment Cindy, beaucoup. Tu as déjà beaucoup d'argent. Pourquoi cherches-tu encore l'argent? Il ne faut pas confondre les choses. Mon argent, c'est mon argent. Alors que le sien, c'est le nôtre. L'argent parle. Mesdames, qu'est-ce qui vous fait rire à gorge déployée comme ça ce matin? Ma sœur, dis-moi, où vas-tu à 7h du matin et habillée comme ça comme des Indiens? C'est une tunique. Je vais aller. Hein? Attends. Tu as dit quoi là? Hein? Tu m'as entendu, j'ai dit que je partais à l'église. Je suis très confuse. Depuis quand pars-tu à l'église? Depuis que j'ai trouvé une église dans laquelle les hommes célibataires, beaux et riches. Je suis vraiment excitée. Au fait, je suis sûre que je vais y prendre sur ma vie. Hey! Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur te pardonne. Les autres vont à l'église pour adorer les seigneurs, toi tu y vas pour aller chercher tes hommes. En effet, la chasse aux hommes, qui peut le permettre? Une desperado. Ah, au moins je vais à l'église. À quand remonte la dernière fois que l'une d'entre vous est allée à l'église? Je croyais que vous aviez une réponse à ça. Et tu vas à l'église en indienne? Hey. Je te fais confiance, Cindy baby. Eh hey, mon Dieu, je t'aurais prévenu. Je t'avais bien dit. Je t'avais dit que c'est un gars qui a beaucoup de petites amies. Elle est malade. Meuf, malade, c'est un euphémisme. Cette fille-là, c'est une psychopathe. Et petite correction, c'est ex petite amie. Attendez. Et il a plaqué juste devant moi. Au revoir. Pauvre fille. Pourquoi est-ce que tu es désolée pour elle? C'est moi la petite. Cette fille m'a embarrassée en plein restaurant. J'étais morte de honte. Et en plus, elle m'a traitée de petite. Comment vous imaginez? Mais en fait, ça ne devrait pas t'énerver. Parce que c'est ce que tu es. Ok. C'est pour ça que je suis rentrée à la maison avec son homme et que je lui ai fait l'amour toute la nuit. La nuit. Ah, c'est ma chérie. Ma chérie, tu es vraiment folle. Ah, tu me connais. J'ai entendu sa voix. Vraiment? Il criait pour me dire. Et je me demandais qu'est-ce qu'on sentait après ce soir. J'étais en train de le chevaucher. Oh, Cindy, donc, je suis en train de faire ça. Minute. Je vais coucher avec moi. Je l'ai fait. Tu as un problème avec ça? Mais quel manque de classe! Tu aurais dû attendre encore quelques semaines, voire même des mois. Tu sais, il ne va pas du tout te respecter quand tu agis comme ça. Allez, tu sais, toi et moi, nous sommes totalement différentes. Toi, tu as beaucoup trop de temps à ta disposition, alors que moi, non. Et puis, où est la différence entre coucher avec un type au premier encart ou au dixième? En fin de compte, tu finis par coucher avec lui, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps à perdre, mon cher.
D'ailleurs, c'était un bon. Bien. J'avais couché avec Lucie le premier jour. Et il avait toujours la considération et le respect à mon égard. A-t-il déjà fait sa demande? Et hein, s'il est trop facile pour un homme de vous baisser la culotte, il ne vous prendra pas du tout au sérieux. C'est fou ce que tu peux être en rabat-joie de toi. C'est comme si tu vis dans les années 60. Réveille-toi, ma copine. Nous sommes en 2015. Allô? Hé, les filles, tu n'attends même pas de l'église même. Si seulement j'ai la possibilité, viens ou je les laisse en vie. C'est pourquoi mes amis m'appellent César ou moi. César ou moi? Ah, je n'ai pas la tête. Bye. Madame Kifemi, chap chap. Bébé, je commence à tomber amoureux. Quoi? Oui, bébé. Je sais que tu diras que c'est tout. Mais la vérité. Je suis amoureux de toi. Et j'aimerais amener notre relation à un autre niveau. Te demander de vivre. Tu blagues, n'est-ce pas? Tu blagues. Allez, dis-moi, tu blagues. Tu blagues, n'est-ce pas? Non, bébé, je ne blague pas. Je suis vraiment sûr. Et je sais que tu penses de la même façon. Non. Je ne le suis pas, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée et ne le prends pas mal. Je t'apprécie. Je t'apprécie vraiment. Mais je ne suis pas un prostituée. Je veux dire, j'aime quand on fait l'amour et tout ce qui va avec. Et il n'est que question de ça. Au fond, je ne t'aime pas. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mais on peut rester bons amis. Je le prends. Ok. Tu ne peux pas me dire ça. En fait, j'ai plaqué ma petite amie à Oh, vraiment? Est-ce que je t'ai demandé de faire ça à ta petite amie, hein? En plus, quelle garantie j'ai que tu ne vas pas me quitter aussi pour une autre femme? Tu sais quoi, Desmond? Je pense que c'est ici que le chemin se sépare. Tu sais où est la porte. Par contre, la vie normale, il est difficile pour un homme de se mettre à côté d'une dame comme toi. Mais d'une autre part, ce n'est pas vraiment un problème. Disons que la vie est dure pour tout le monde. Pas si tu fais attention. Je vais dire, tu envoies tous les bons signaux. Pas de maquillage, pas de boucle d'oreille, avec un chignon. Talons de moins de 5 cm. Vivant du ventre. Ce qui veut dire que tu es une femme en valeur, mais une pute ne le verrait pas. Et n'est-ce pas assez pour hypnotiser tout homme qui passe à côté? Qui pourrait croire qu'un homme pourrait se mettre quelque part à côté de l'amour de toi pour en faire connaissance avec elle? Et étant intéressé par cette dame, j'aurais même une crainte sur le agenda. Je me demande bien à quoi cela ressemblerait. Alors? Qu'est-ce qu'un homme comme ça dirait? Il dira que son nom est directement un artiste. Mais elle ne serait pas intéressée. Et elle serait probablement silencieuse avant qu'il puisse partir. Et penser qu'il est comme tous les autres. Et les expériences qu'elle a vécues, elle est une personne créative. Mais il lui demandera son nom et ce qu'il fait. Et elle répondrait peut-être pas. Je suis Cindy Johnson, une femme. Je tiens une boutique. Et c'est là que vous allez enchaîner sur d'autres questions concernant ma vie. Comme si vous étiez peut-être sincèrement intéressé par ce que je fais. Ah. Non. Il serait intéressé. Mais il verra qu'il n'y a aucune façon de faire voir que c'était un. Et pourtant, elle le trouve charmant, très amusant. Il renvoie quelque chose de très original. Mais. Il aurait pu. Vous
serais pas curieux de savoir si je disais l'inverse. Pas vraiment. Les gens ont l'habitude de vivre leur vie comme ils ont été élevés. En ce qui me concerne, c'est le cas. C'était un plaisir d'être présent. Et il est parti, juste comme ça. Je veux dire, aucun homme n'est venu m'aborder avant lui sans même me demander mon numéro de téléphone. Mais lui, il l'a fait, juste comme ça. C'est bon. Tu veux dire juste comme ça? Juste comme ça. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que je n'arrive pas à oublier ce mec. Je pense à lui presque tout le temps. Je... Oh mon Dieu, il y a quelque chose de spécial chez lui. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je peux t'aider à la vérité. Tu veux me dire la vérité? Mm-hmm. Ok, je t'écoute. Vas-y. Si, je vais te faire quoi? Ne sois pas bête. Comment je peux être amoureuse d'un homme que je ne connais même pas? On ne dit pas jamais. Hein. La façon dont tu me sens. Oh, je t'en prie, ça ne peut pas être possible. Salut. Bonjour. Salut. C'est moi. Ok, c'est plaisir. Mon boss. Merci. Bien, bye bye. Regarde. Un téléphone. Regarde. BlackBerry. Celui qu'on appelle passeport. Hé, ça sonne. Un numéro masqué. Réponds. Oui. Je n'aime pas les gars qui appellent. Alors, je t'appelle. Ouais, eh bien, c'est la vérité. Moi, ça, c'est moi, invasif. Écoute, j'étais en train de penser à quelque chose. Et je me demande si on pourrait dîner ensemble le vendredi. Vendredi? Désolé, j'ai un peu prévu. Ok. Descends. Samedi, j'ai un rencard. Une excuse pour s'entêter. C'est continuer de mener les actions, soit les fonctions, les échecs de passé. Ok, alors, comment puis-je me débarrasser de vos fonctions? Tu n'as même pas blessé. Je ne pense pas que tu as un rendez-vous avec le monde de ta famille. Ok, ça sera un rencard pour le dimanche. C'est juste, c'est moi, je t'enverrai le temps. Hé, ça c'est ce que j'appelle des hommes corrects et responsables, avec des actions. C'est non responsable, tu vois ce téléphone, ça fait 4 000. C'est nul, ne laisse pas passer. Je l'avais bien dit. Hé, hey, je ne suis pas ce genre de fille. Quel genre de fille? Le genre de fille que tu penses que je suis. Quel genre de fille tu penses que je suis? Eh bien, le genre de fille que
tu abordes un soir et quittes son numéro, et qu'ensuite tu trouves un moyen de l'inviter dans ta maison pour dîner, mais que tu fais comme ça. Et qu'après tu essaies de l'aider. Attends une minute. Alors, tu es en train de me dire que tu sors avec un type depuis un mois, et ce n'est que maintenant que je suis informée? Oui, exactement. Mais ça, ce n'est pas juste tout ça. Je suis vexée parce que tu ne me l'as pas dit pourtant. Écoute, tu es rarement avec nous. Tu es toujours avec des filles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, t'as raison. Mais à part ça, parle-moi de ce gars. Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est bon au lit? Ou est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je suis curieuse, dis-moi tout. Ah, dis-moi non. On veut savoir. Ok, il est vraiment très bel. Il est riche et il est très, très intelligent. Ok, ok, est-ce qu'il est bon au lit? Relax. Ah, là je n'en sais encore rien parce que nous n'avons encore personne. Quel ennui. Ma chérie, tu as tendance à faire ça. Il pourrait être chanceux ce soir. Hey. Alors, vous vous êtes rencontrés au funérailles de Monsieur Daniel Vincent. Quoi? Tu dis que tu l'as rencontré à des funérailles. Donc, tu as ramené un revenant dans notre maison, Lisa. C'est sûrement lui. S'il vous plaît, les filles, je veux que vous vous comportiez bien. Dodo, s'il vous plaît. Où est mon obélie? On a encore l'obélie. Allez, oui. Maïmaïa. Un revenant. Salut. Salut. Waouh, tu es une très belle maison. Merci, merci. Tu es très belle et tu es une très jolie souris. Merci. Attends. Oh, merci. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Ferme-la. Cette nuit, ils vont le faire. Tu as pensé. Alors, je suis sûre qu'elles sont quelque part cachées. Qu'est-ce que tu regardes? Inviter nos hommes à la maison et on leur prépare un dîner. Vous en pensez quoi? Ouais, je trouve ça bien, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. C'est une très bonne idée. Bien, je vais prendre le temps d'expliquer à mon Kenny, et vous allez les rencontrer finalement. Ton Ken là, honnêtement, je n'ai pas un bon pressentiment. Sois prudente. Et il s'approche de toi que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Les filles, vous avez tort. Mon Kenny n'est pas comme ça. Oh. Il m'aime beaucoup. Il a promis de me rembourser tout l'argent de la vie. Vous savez, l'amour est partagé. Oui. Très bien. On va dire que je t'ai pas prévu. Peu importe. On a un dîner ce vendredi à la maison. Oh, j'ai trop hâte. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, monsieur. Les hommes sont plus intelligents que les femmes. C'est la
que les femmes sont parties. Les femmes ne sont jamais satisfaites. Elles veulent toujours plus. Elles peuvent trouver une sorte qui peut beaucoup plus. Cependant, elles restent satisfaites. Derek, je ne suis pas d'accord avec toi. On peut être satisfaite. Je suis d'accord avec toi, Nana. Si vous, les hommes, qui n'êtes pas satisfaits, dès le moment où vous sortez et que vous croisez une très belle jeune femme sexy, vous trompez vos partenaires. Elle n'existe pas. Quand est-ce que les femmes poussent leurs hommes à tricher? Merci. Regardez. Une mauvaise femme ne pousse un homme à tricher. Si l'homme n'est pas satisfait sexuellement par son partenaire qui pose une voix à elle. Oui, mais quand un homme sort avec une femme qui est trop naïve, trop amoureuse et trop stupide, c'est la candidate parfaite pour la dame. Ils sont aussi infidèles parce qu'ils savent que leurs femmes vont finir par leur pardonner, d'autant plus qu'ils ont des enfants. Bon, moi je pense qu'on considère les hommes les plus grands tricheurs juste parce qu'ils sont attrapés facilement. Alors pourquoi quand une femme triche, c'est un crime? Et quand un homme triche, ça paraît normal. Pourquoi? C'est parce que nous sommes sociétés, regarde sur les hommes. Mettre une femme dans la société. Regarde, si une femme couche avec un autre homme, ça c'est un crime. Hey, et ça c'était notre époque. Quand une femme allait voir ailleurs, elle se retrouvait à la rue chassée par son mari. Mais les hommes aujourd'hui sont obligés de vivre qu'avec des femmes qui sont indépendantes. Si vous voulez avoir mon avis, quand l'homme va pas faire une femme dans son mari, on se fait tout petit. C'est quoi, les gars? Oh, hé!
Je suis ta mère. Et crois-moi, les hommes ne sont pas dignes de confiance. Quoi? Je vous avais dit toi. Ah. Regarde, ce n'est pas ce que tu te penses, hein? Je ne te triche pas, je te le jure. Écoute, tu es ma vie, tu es mon sang. Tu n'as pas à te faire laisser des gens, tu t'es triché. Écoute, tu n'es pas seulement ma femme, bébé. Tu es ma seule femme et la mère de mes enfants. D'accord? Tu es tout ce que tu... Que fais-tu derrière moi? T'es là votre ami. Que diable se passe dans cette maison? Qui est cette racaille? Et que fait-il dans ma maison? Une correction. C'est géant, beau et adorable génome s'appelle. Il est deux fois un homme que tu ne peux être. Chérie, lève-toi. Laisse-lui voir ces formes que tu as. Et comme ça, il va. Quoi? 1, 2, 3. Ok, j'ai compris. Donc le jeu continue alors. Au revoir. Bye. J'avais essayé de te mettre en garde. Tu pouvais t'écouter. J'avais essayé. Nana, tu sais bien que c'était de mettre en garde. Mais tu as refusé d'écouter. Eh, mais s'il t'est toujours disant que je suis quand même fort. Moi. Tu vois, c'était la raison pour laquelle je ne voulais plus de lui. Oh Dieu. Hé, c'est bon, ça va aller. Ça va aller, tu m'en trouveras un autre. Quoi? Devrais-je me marier? Je n'ai aimé que deux femmes enceintes. La première n'est plus. Et tu es la seconde. Quand elle était morte, j'ai cru que ma vie était finie. Je lui ai promis que je ne tomberai jamais amoureux d'une autre femme. Jusqu'au jour. La deuxième, j'ai posé mes yeux sur toi. J'ai su que c'était toi. Pourquoi devais-tu te marier? Parce que je t'aime. Je veux grandir avec toi. Je veux prier avec toi chaque matin et
chaque jour avant. Je veux que tu sois la norme. Et je te promets de te faire sourire tous les jours. Je ne dis pas que je serai le mari parfait. Mais je ferai de toi la femme. Mais tu n'as jamais été marié. Beaucoup de personnes se marient plusieurs fois avant de trouver le vrai amour. Cindy, je suis cette personne. Et ce sont là les raisons pour lesquelles tu dois te marier. Pourquoi devrais-tu te marier ?